Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 7 septembre 2020, il est 8h presque la nuit, hein. Il fait 9 degrés, donc un peu frais ce matin, hein. C'est pour ça que j'ai mis ma petite laine, hein. Et puis il fait un temps splendide, je pense que la température va monter au cours de ma marche, hein. Je suis parti à la découverte de nouveaux paysages, de nouveaux chemins, dans les bois, au-dessus de Fumet. Et donc c'est parti pour un tour, hein. On verra bien. Allez, à tout à l'heure. Quel calme, hein. Regardez ce beau ciel bleu là. À part les insectes, une chouette au loin, on n'entend pas grand chose, hein. Et voilà, à peu près une heure que je marche, là, la température commence à monter. Alors, je sais pas si c'est parce que je fais du sport ou si le soleil est en train de nous réchauffer. Mais bon, j'ai enlevé ma petite laine là parce que pour poursuivre, c'est pas la peine de rentrer et dire je suis allé au sauna. Hein. Non, je suis allé dans les bois. Un paysage magnifique, hein. Comme vous voyez, je suis encore sur les hauteurs. C'est ce que j'aime, moi, hein. Découvrir des points culminants et des endroits que je ne connais pas. Le chemin semble redescendre là, hein. C'est un chemin herbeux et en même temps empiré, donc je pense que il y a des véhicules forestiers de l'Office National des Forêts qui doivent passer par là, je suppose. Alors voilà une bestiole, je sais pas trop ce que c'est que cette bestiole là. Mais visiblement, elle nous fait de la dentelle avec les feuilles. Elle se régale. Et tout ce que je descends là, il va falloir remonter tôt ou tard. Hein. Alors là, ça descend plus que sec. Hein. Et puis, sur la droite, là, un tout petit peu plus haut, il y a un chemin qui monte. Je vais prendre ce chemin qui monte. Moi, j'aime bien rester sur les hauteurs quand même, hein. Donc voilà mon chemin qui monte, je vais prendre celui-là entre les points 140 là et 141 parce que ça m'a l'air très ensoleillé là-haut, le ciel est beau comme tout, c'est mieux que de descendre dans les enfers, hein, de monter au ciel, ça m'a l'air beaucoup plus sympathique, hein. Oui, franchement, j'adore ce petit chemin là. C'est magnifique. Magnifique. Ça tape, hein. Je viens de regarder mon heure là. Il est 10h30, donc ça fait 2h que je marche déjà. Alors, hormis ma Bretagne, mon Morbihan, qui est prioritaire dans mon cœur, voilà aussi ce que j'aime, hein, cette belle nature sauvage des Ardennes, c'est merveilleux. Les Ardennes, oui. C'est à l'autre bout de la Bretagne, hein, complètement à l'opposé, hein. Mais ça vaut le coup. Alors ce que j'aime, c'est le silence, la nature, et puis cheminer sur de petits sentiers comme celui-ci, qui sont merveilleux. Ce chemin-là, là, derrière moi, je ne sais pas où il m'emmène, mais c'est fantastique. Les feuilles de chêne sont encore bien vertes, et puis on voit les glands, hein. Enfin, des glands, j'en vois tous les jours, moi, personnellement. Mon chemin ensoleillé m'amène ici dans ces jolis sous-bois ombragés qui sentent très bon. Ça sent la terre. Vous voyez, un changement complet de paysage. Eh bien voilà un bien beau sentier qui m'appelle. Là, je suis au point 113. Regardez au-dessus des sapins. On voit la lune. J'y suis presque. Encore un bien joli petit sentier qui monte et qui monte. Et mes petits camarades, on peut dire que c'est magnifique. Hein. Et après plus de 3h de marche, j'ai décidé de m'arrêter là parce que j'ai faim déjà pour commencer. Et puis ça va faire du bien de se faire une petite pause. Je suis en plein bois, je suis bien. Et j'ai trouvé un petit coin avec une pierre là. Franchement, on peut pas mieux, quoi.
Donc bah, aujourd'hui, le menu sera simple. Hein, c'est, je me suis fait des œufs durs, il y a de la ratatouille froide, il y a du fromage, une pomme, ma flotte, mon pain, comme d'habitude. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu l'endroit. Voilà, ça c'est donc ma petite pierre là où je m'assois. Et puis voilà tout mon matos là pour faire ma petite pause. Et voilà, un bon petit œuf pour commencer. Il y en a deux comme ça, hein. C'est bien, hein. Je vous parle. Le soleil commence à taper. Donc je suis à l'ombre là. Très bien. Un petit œuf. On va faire comme quand j'étais petit, on tapait sur la tête. Ouais. On va taper contre la roche, va. Si j'ai plus le crâne dur. J'ai le crâne en caoutchouc, va. Je sais pas où on réussissait, bon, on se faisait mal à la gueule, mais bon. J'ai fait une super balade, en fait. Même si c'est au final un environnement que je connaissais, en fait, je suis passé par une route forestière au départ, donc c'est toujours la même, hein. Une des trois routes qui part de la place de l'Argentine. Et puis après, ben, il y a plein de petits chemins que j'ai encore pas fait, dont celui que j'ai emprunté ce matin. Et on n'est pas déçu, hein. Bon, visiblement, on arrive toujours au même endroit. Mais c'était pas le but aujourd'hui. Le but, c'était de découvrir autre chose. Et pas forcément aller dans les coins connus et reconnus. Ah ouais. Et puis voilà, une belle découverte. 3 heures de marche quand même, un peu plus même, mais bon. Tout ça est très bien. Manger ma ratatouille froide. C'est très bon d'ailleurs, c'est le ratatouille cuisiné à la provençale, très très bon. À l'huile d'olive vierge. Et voilà, on va essayer de prendre. On fait partout pour salir mon beau pantalon. Alors voyons voir ça. Bien. Sentez-vous ça, les copains. Un sacré goût. Moi qui suis pas trop conservateur, c'est vrai que j'en prends pour les marchés parce que c'est pratique, hein. Parce que je trouve que les conserves n'ont pas de goût habituellement, alors ça, celle-là, oui. Celle-là, oui. La vie est belle. Surtout lorsqu'elle est vécue dans la nature.
C'est la bonne ratatouillos. La ratatouillos. C'est plus beau que ratatouille, la ratatouillos. Mmh. Quel bon pain. Il m'a toujours fallu du pain, moi, en mangeant. J'arrive des fois à manger sans pain. Tout dépend ce que je mange, mais... J'aime le pain. Quand il est bon comme ça. Ben voilà, on va prendre un autre chemin pour rentrer. J'aime pas prendre la même. Et puis voilà. La vaisselle est faite. J'ai l'air d'amer ou sans malheur. On n'a même pas besoin de parler pour apprécier des moments comme ça de communion. Avec Dame Nature. Et notre mère, la terre, comme on dit. Voilà, tout simplement. Respirer, profiter. C'est ça, moi. Ma liberté, c'est d'être insoumis et désobéissant. Surtout, pour rentrer dans le moule de cette société. À la pensée unique, qui préfère baisser son froc et être tranquille à la maison dimanche avec Bobonne et les petits enfants, pourvu qu'on ait un boulot, une bagnole, c'est pas comme ça qu'on fait la révolution. Moi je suis comme un philosophe, hein, Michel Onfray, on peut faire une révolution totalement de velours, comme il dit, pacifique. Mais arrêtons de nous soumettre comme ça. Arrêtons de nous taire. Réagissons. Et agissons. Que nos anciens
l'esprit de nos anciens. Nous habitons enfin un petit canon pour un seul échicot. Un petit canon pour rincer les chiffons. Bonne pomme. Elle ne touche pas celle-là, c'est une bio. Enfin, soi-disant. Hein. Elle me jute, hein, la salope.